Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des casques bleus français que j'ai rencontrés en Bosnie-Herzégovine et en particulier à Sarajevo. Mais alors, avant toute chose, j'aimerais rendre un hommage à ces 84 Français qui sont morts pour porter secours à la population serbe, bosniaque et croate. Ces jeunes gens ont été exposés à tous les tirs venant de toutes les lignes de front sans pouvoir riposter. Ce sont les obus qui viennent d'où ? Ah, je peux pas vous dire. Ici, on sait pas trop quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. Nous croisons des convois humanitaires de l'ONU bloqués depuis des jours par les autorités serbes. Le mobile arrive là. Il arrive. Dans l'ordre, mon VBL avec un de tes commandos, la papa mobile et ton VBL derrière. À proximité des tranchées. Nous, nos positions étaient essentiellement centrées sur l'aéroport, mais le périmètre de sûreté de l'aéroport comprenait des positions dans le quartier de Dobrinja, totalement détruit et entièrement équipé par les belligérants avec des postes de combat, des mines, etc. Et les belligérants nous encerclaient, nous aussi, totalement, encerclaient à la fois Sarajevo et l'aéroport. Comme nous devions défendre l'aéroport, nous étions encerclés par l'ensemble des belligérants. Et j'avais dans mon bataillon quatre zones, à l'est et à l'ouest des zones serbes, au nord et au sud des zones bosniaques. Toutes ces zones étaient occupées par des positions de snipers, des positions de blindés, des positions, des mines en quantité énorme, et nous ne pouvions pas nous déplacer d'un bord à l'autre sans être pris à partie ou sans courir le risque de sauter sur des mines, ce qui était malheureusement déjà arrivé. Pour les Serbes, il s'agissait de s'emparer de l'aéroport pour pouvoir terminer totalement le siège de Sarajevo. Pour les Bosniaques, il s'agissait de conserver un accès par les tunnels au ravitaillement venant de l'extérieur et empêcher justement le bouclage du siège. En effet, ces militaires de carrière, mais pas seulement de carrière, mais aussi des appelés, ont été confrontés à des scènes de guerre totales, avec pour mission de protéger la population sans pouvoir se protéger eux-mêmes. Des tirs des différentes factions, qu'elles soient serbes, bosniaques ou croates. L'ONU tente de s'interposer entre les lignes de front, en vain. Ils étaient dans l'impossibilité de riposter au tir des milices. Revenant de Sarajevo après avoir fait un sujet sur les snipers bosniaques, l'on m'a interviewé sur Envoyé spécial, une émission de France 2. J'ai été clair là-dessus. Il fallait que les troupes de l'ONU puissent riposter,
ou ne pas y aller. Toute la presse écrite française s'est déchaînée contre moi. C'était un scandale. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au Liban d'il y a quelques années ? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai fait pas mal de reportages au Liban. C'est tout à fait comparable. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Personne ne le sait, personne ne le sait. Ces bandes pillent, tuent, n'importe qui, n'importe où. Eh bien, moi, je pense qu'il aurait fallu des règles beaucoup plus strictes pour que nos soldats puissent se faire respecter par les acteurs de cette guerre. Car il fallait s'interposer entre les Serbes et les Bosniaques, mais pas seulement les Serbes et les Bosniaques. Il fallait faire taire également les armes entre les Croates et les Bosniaques, et entre les différentes factions bosniaques, et en même temps, protéger les civils. On rejoint tout de suite Neda Ricci. Mais maintenant, mon bataillon a pris le contrôle de cette zone. Et tout ce que nous pourrons vous apporter, nous le ferons de tout cœur. Ce passage, j'utilise surtout pour aller à la cuisine. S'ils passent de l'autre côté, ils ont peur de se faire tuer par les snipers. J'ai vu, oui, la ligne de confrontation est juste derrière. Bon, on viendra voir pour cet obus de jour aussi. Ben, nous sommes juste sur la ligne de confrontation. Là, nous sommes en limite de zone serbe. Et de l'autre côté, là-bas, c'est la zone bosniaque. C'est ici qu'il y a eu de très très rudes combats. Et ça peut être dangereux. On ne va pas rester très longtemps. Ce n'est qu'en 1995 que les règles changèrent. Alors que les milices serbes avaient pris en otage 11 casques bleus français sur un pont, point clé de Sarajevo, et le président Chirac ordonna la reprise du poste et la libération des otages. Une trentaine de soldats se lancèrent à l'assaut du pont, deux soldats furent tués, mais l'opération réussit. Alors ça illustre bien le passage d'une situation de plusieurs années durant lesquelles les casques bleus étaient complètement passifs, du fait des instructions reçues, à une situation équilibrée où nos armées ont pu enfin, 3 ans après les premiers engagements en Bosnie, être dans une position de riposter. La présence des bataillons français à Sarajevo au moment de Dayton me laisse le souvenir de bataillons qui ont eu la chance de participer à la reconquête de l'initiative, alors que pendant de longs mois, tous les bataillons précédents avaient souffert des attaques des uns et des autres sans pouvoir riposter et avaient subi des humiliations que nous n'avons pas connues. Depuis ma unité. Scorpion, tu viens ? Une attente de plus humanité. Qu'est-ce qu'on a comme véhicule là disponible ? Aujourd'hui, il y a une protestation serbe contre des soldats bosniaques qui renforceraient leurs tranchées. Donc on va passer sur l'axe, voir ce qu'il en est exactement, de façon à pouvoir éventuellement faire cesser les travaux qui peuvent être interprétés comme une violation du cessez-le-feu. Le tunnel qu'on vient de voir sert à quoi ? Bon, les tunnels, vous savez très bien qu'il y avait à un moment un siège de la ville et que pour permettre de ravitailler la population, les forces bosniaques ont creusé un tunnel sous l'aéroport de façon à faire passer à la fois de la nourriture et faire passer aussi les personnels. Et des peut-être armes, autre chose. Ouais. Ça, nous ne pouvons pas le contrôler, donc il y avait peut-être autre chose qui passait. Actuellement, une relève là, des bataillons, on a des camions.
Tu vas bien. On a eu une vingtaine de personnels débarqués par des camions qui venaient de Boutmire. Les véhicules ont fait demi-tour au niveau de l'entrée du tunnel et ont fait demi-tour. Les personnels étaient avec sacs et armes. D'accord. Alors, quelle a été la mission des troupes françaises à Sarajevo après l'accord de détente? Dès la signature des accords de paix, de casque bleu, nous sommes devenus des soldats de l'OTAN qui imposaient une solution sur le terrain, avec des autorisations de mouvement, d'opération beaucoup plus larges que celles que nous avions lorsque nous étions casque bleu. Les accords de Dayton prévoyaient, au plan politique, des échanges de territoires où étaient stationnées des troupes serbes et des populations serbes à l'entité bosniaque, et inversement, avec effectivement une majorité de transferts de territoires serbes vers l'entité bosniaque. Eh bien, ça s'est passé mieux que nous le pensions, parce que nous pensions qu'il y aurait davantage de combats. Ça ne s'est pas passé sans drame, puisque pour la ville d'Ilidza, par exemple, qui était à proximité immédiate de l'aéroport, cette ville est dominée par quelques minarets, mais surtout par des clochers d'églises orthodoxes. L'ensemble de la ville passant sous contrôle de l'entité bosniaque, les populations serbes ont dû abandonner leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières. Ça ne s'est pas fait sans drame. Alors moi, franchement, quand je vois ou j'entends que l'on accuse les troupes de l'ONU d'avoir pris parti, cela me révolte. Le seul parti pris des troupes françaises a été la paix en Bosnie-Herzégovine et surtout d'aller au secours des populations. On peut avoir la satisfaction de dire nous avons arrêté les combats en Bosnie, nos camarades français qui sont morts et alliés, qui sont morts ou ont été blessés là-bas, ne l'ont pas été pour rien. Les populations ne sont plus opprimées comme elles l'étaient par les uns ou par les autres. On peut donc se réjouir d'une certaine paix qui est en place. Pour le reste, c'est à l'Europe maintenant de voir si elle peut accueillir en son sein ces régions et si elle peut accompagner la préservation de la paix dans ces régions. Alors j'espère que vous avez aimé ce récit. À très bientôt sur ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas le pouce. Au revoir.